Eh bien, salut les amis, bienvenue pour le 22e épisode du mode à la mode. Et aujourd'hui, on va partir aux States pour un mode qui est sorti en version 1.0 qui s'appelle Kart Extreme. Alors, pour les plus jeunes, le kart, c'est quoi? C'est de la monoplace, c'est l'ancêtre de l'IndyCar, si vous voulez, qui avait lieu eh bien, aux États-Unis dans les années 90 et 2000 encore. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mode donc Kart Extreme qui est sorti pour Game Stock Car Extreme. C'est très extrême tout ça. Et voilà, c'est un mode qui reprend la saison 98. Alors, ce genre de voiture vous dit peut-être quelque chose si vous êtes cinéphile. En effet, c'est le championnat représenté par le film Driven de Sylvester Stallone. Un des pires films de l'humanité, je crois, qui m'ait été donné de voir. Mais bon, quand on est gosse, on aime bien parce qu'il y a des voitures qui vont vite. Et voilà. Donc, si vous voulez aller jeter un oeil là-dessus, c'est vraiment de la... du bon nanar bien fort. Alors faut savoir qu'à la base Stallone voulait faire le film pour la Formule 1 et était venu voir pas mal de Grands Prix, notamment le Canada en 98. Mais voilà, n'ayant pas eu, on se demande pourquoi la F1 n'a pas voulu. Et voilà, il s'est rabattu sur le championnat nord-américain de kart. Alors le mode comprend 4 configurations de voitures. Et je ne peux pas vous les montrer tout simplement parce qu'elles s'appliquent une fois le circuit chargé. Donc selon l'ovale, le circuit urbain ou le super speedway. Voilà, je vais y arriver. Enfin, speedway et super speedway. Alors, concernant le championnat, un petit peu d'historique. Donc c'est l'italien Alex Zanardi qui a été champion en 98. Il s'est, emparé du titre également en 97. C'est lui, donc il est son propre successeur. Il y avait 4 châssis qui sont représentés. 4 types de châssis qui ont concouru. Il y avait 19 manches dans le championnat, donc quelques-unes au-delà des frontières américaines, notamment Japon, Brésil et Canada et Australie, voilà, donc les 4 autres pays qui ont été visités par ce championnat. Il y a pas mal de noms qui sont encore aujourd'hui voilà, IndyCar, voilà, vous connaissez peut-être Tony Kanaan, des gens comme ça. Également présent dans le mode Greg Moore qui est décédé l'année suivante. Après vous avez des gens connus, Michael Andretti, Carpentier, enfin voilà, vous avez vraiment du monde, Brian Herta, vous avez du monde présent dans ce championnat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour de ce qui nous est proposé comme voiture. Donc si vous souhaitez le mode, il est bien sûr dans la description. Alors nous avons 4 châssis disponibles. Alors chacun, les moteurs sont également présents. Donc vous avez les moteurs Mercedes, enfin bon, tous les moteurs sont représentés fort. Enfin bref, tout le monde a son moteur comme le veut le championnat. Alors on va faire les 4 châssis, on va commencer par Lola. Alors Lola n'a qu'une voiture, Swift n'a qu'une voiture. Alors on va vous montrer ça dans le showroom, hein, pour montrer que c'est très très bien modélisé. Honnêtement, c'est très impressionnant. Toutes les différences entre les châssis est bien marquée. Donc vous voyez bien la différence entre chacune des conceptions de voitures. C'est très agréable. Chez Penske, vous avez une voiture très très jolie. Alors elle est très marquante. Personnellement, je me rappelle la F1 de chez McLaren de 95, non pas par sa livrée, mais bien par son museau. Je vous mettrai une photo. La McLaren de 95 qui avait vraiment ce type de museau là. Voilà, donc très très joli. Pour moi ça reste voilà, un symbole quand même, les voitures de chez Penske avec la livrée Marlboro. Voilà, ça reste des monuments de l'histoire du sport auto. Ensuite on va chez Reynard. Alors les châssis Reynard, là vous en avez une tripotée. Vous avez plein de belles équipes. Voilà, j'essaie de vous passer, j'essaie de vous trouver une belle livrée pour vous présenter. Voilà, on va prendre la voiture de Paul Tracy, voilà. Donc vous avez vraiment une différence entre les châssis, les moteurs. Voilà, ici par exemple, la voiture est motorisée par Honda. Je suis loin d'être l'expert des courses américaines, je laisse ça à mon ami Michael. Si tu regardes cette vidéo, bonjour à toi. Allez faire un tour sur sa chaîne, il est on ne peut plus fan de ces courses américaines et il en sait beaucoup plus que moi. Voilà, donc on va faire encore, allez, on va vous montrer encore une ou deux voitures. Donc, vous voyez par exemple ici le même châssis mais avec une motorisation Ford. Et quelques petites différences, il y avait une petite ailette de requin tout à l'heure sur la voiture de tout à l'heure. Ici, elle n'y est pas. Donc voilà, des modèles vraiment très très bien réalisés. À savoir que nous tournons sur la version 1.30 de Game Stock Car qui comprend un nouveau circuit Bologna historique qui est tout simplement le tracé d'Imola en configuration 94, le tristement célèbre Grand Prix de 94. Donc on va aller y faire un tour.
Sachez également que le site Race Department vous propose 4 circuits actuellement. Il y en a peut-être un peu plus hein, depuis hier, mais bon, ça commence à pulluler jour après jour. Et en fait, ces circuits sont des circuits de l'époque. Donc vous avez l'Oval, le Speedway de Fontana, vous avez Laguna Seca, Vancouver au Canada et Long Beach, qui sont tous des circuits qui font partie tout simplement du championnat. À savoir que ce qui est intéressant, c'est que le circuit de Fontana était la dernière manche, la 19e du championnat. Voilà, bah écoutez, on va faire tous les réglages et on va prendre une voiture et on va commencer par un circuit urbain et ensuite on ira faire de l'Oval à Fontana. Voilà alors les amis, la séance de qualification d'une heure vient de débuter sur le circuit de Bologne historique. Je vais vous mettre d'abord quelques plans pour que vous voyez comment se comportent les voitures en piste. Allez les amis, on va monter en piste pour la séance de qualification et on va voir ce qu'on peut faire. Alors quelques petites informations, vous avez vu quelques plans juste avant que je vous ai mis, donc des plans en vue TV de l'action en piste. Et vous aurez constaté beaucoup de soucis au niveau de l'affichage des ombres. Alors j'ai dû désactiver les ombres et relancer le week-end parce qu'il y a cet effet immonde qu'on avait sur les Air Factor quand on allumait les phares sur certains tracés. Donc pour éviter ce souci et vous donner quelque chose de plutôt correct, eh bien j'ai réglé la période de la journée sur le temps de midi et j'ai également retiré les ombres. Voilà, donc ça va être peut-être un petit peu moins esthétique, mais au moins ce sera pas du clipping dans tous les sens des ombres. Bref, on est en piste et je ne vous ai pas dit avec quoi je roulais. Je roule avec l'addon Formule 1, donc du T500 RS. Ça c'est pour le matériel. Sachez qu'au niveau de l'IA, on est à 95%. Pourquoi? Eh bien parce que parler, commenter et piloter ces voitures, c'est pas facile. C'est pas une excuse, c'est que ces voitures sont assez compliquées à prendre en main sur un circuit à l'européenne, j'ai envie de dire. Alors je vais pas être vulgaire au point de dire qu'ils tournent à droite, mais le setup des voitures est assez particulier. Vous constatez que l'aileron avant est plein avec des flancs sur les côtés. Je vous invite à garder ça à l'esprit quand on ira faire des tours à Fontana juste après pour voir la différence entre un circuit dit européen, je vais vous dire, et un circuit ovale à l'américaine. Comme ça vous verrez bien la différence de conception des voitures. En ce qui concerne la voiture, justement, nous sommes avec le moteur Mercedes de la voiture de Mark Blundell, ancien pilote Ligier et Tyrrell en Formule 1 dans le début des années 90. Et c'est surtout la livrée utilisée dans le film pour le héros, le film dont je vous parlais tout à l'heure, avec Stallone. Alors on va partir pour ce tour dans Tamburello maintenant et je vous laisse profiter de cette qualif. Thank you.
Allez, on va profiter d'une piste bien dégagée cette fois-ci. Et c'est parti! On arrive à fond dans Tamburello, sans problème. Il va falloir freiner en première pour la Tosa. Ici, en première ou en seconde, ça dépend de vos réglages. Ici, en première, pour l'ancienne chicane d'aqua minérale. Ici, pied à fond, on reste pied à fond, ça passe. On attend la quatrième et on va retomber en première pour la chicane haute. Ici en cinquième, et quand on est encore dans le droit, on doit descendre jusqu'en première. Un petit banking ici. Ici, on soulage un petit peu, on glisse un petit peu en première, deuxième. On va monter jusqu'en quatrième. Ici, on peut descendre aussi en deux si on souhaite, ça c'est au feeling. Et en première pour la dernière chicane, on glisse un petit peu. Attention que le transpondeur n'est pas au début mais à la fin de la chicane, donc il faut rester pied à fond. Et on termine le tour. Et on fait le septième chrono avec ce tour. Donc voilà. Donc on se retrouve maintenant sur la grille de départ. Alors on se retrouve maintenant pour le départ. On vous présente un petit peu ce tracé de Bologne historique, hein, qui est en fait Imola en 94. Et on va aborder quelques points forts et points faibles de ce mode. Un point faible, déjà, on va devoir partir en départ arrêté et non en départ lancé, comme c'est normalement le cas dans la discipline. Tout simplement, eh bien parce que le mode ne supporte pas les départs lancés sur les circuits urbains, ça fait déraper toutes les IA au-delà de la 10e place et ça provoque des soucis. Ne vous inquiétez pas, on va prendre un très mauvais départ, je suis au courant, déjà parce que j'ai été très lent à déclencher l'embrayage, mais surtout, il y a un problème, c'est que l'accélération de l'IA par rapport eh bien, à votre voiture est assez déséquilibrée, et pourtant je suis au niveau 95. Alors ce n'est pas un souci de performance de l'IA, mais de performance sur un tour proprement dit. C'est-à-dire que vous allez avoir une voiture qui va être extrêmement performante pour les freinages, et qui comme ça, voilà, va... Oh là là, on est passé très près de l'accident ici. Va tout simplement se retrouver largué dans les sorties de virage, voilà. Et l'IA a une accélération phénoménale, une vitesse de pointe qui est la même que la vôtre, mais quand vous vous battez dans les freinages, eh bien, elle va freiner beaucoup trop tôt et elle va réaccélérer très vite. Donc c'est assez perturbant. Donc regardez ici, on va essayer de freiner un peu plus tôt pour éviter l'accident. Mais voilà, regardez, on est très lent dans les chicanes. Ce qui est normal, vous me direz, mais là, c'est assez hallucinant alors qu'on est derrière notre équipier, Maurizio Gugelmin, également ancien pilote Formule 1 chez March Leightonhouse. Et on s'est fait passer par Ribeiro. Mais voilà, à la chicane, on arrive à se défendre. Mais voilà, au niveau de l'accélération, il y a vraiment une différence. Alors ça a été encore déjà atténué par mes setups, mais sinon vous allez avoir vraiment des soucis à ce niveau-là. Et ça se ressent surtout sur les circuits, je dirais, européens, urbains. Les circuits ovales, c'est beaucoup moins marqué. Il est vrai que c'est une discipline qui est vraiment faite pour l'ovale à la base. Et ça se ressent vraiment sur les pistes urbaines, et ça va vous confronter parfois à faire un petit freinage en catastrophe pour éviter eh bien, un accident. Alors moi je suis sans dégâts hein, pour éviter de refaire 15 fois la course. Donc on est parti pour 4 tours, ça va pas être des courses extrêmement longues puisqu'une fois que vous avez compris le principe, eh bien, ça ne sert à rien de vous montrer 30 minutes de jeu. On est 13ème, on s'est complètement loupé au départ, c'est très difficile de caler l'embrayage et de démarrer sans perdre quelques places. Et voilà, donc vous allez jouer sur un tour à chaque fois au yo-yo avec les IA, donc ça c'est un petit peu, je vais pas dire un défaut, mais c'est un petit peu dommage. Donc ça demande énormément de temps et de persévérance, mais regardez, là j'ai freiné beaucoup plus tôt que ce que je ne devrais pour savoir attaquer. Alors je pense pas qu'on va savoir attaquer au niveau de la chicane, mais regardez, voilà, ils sont très lents dans les chicanes. Et vous vous surprenez parfois à être en survitesse alors que pas du tout. Vous, vous avez un comportement un peu plus logique, mais voilà, l'IA se trouve à être plus lente dans certains virages.
On va attaquer la chicane haute ici en première. Alors oui, il faut passer en première, je vous l'avais dit dans les qualifications. Sur cet étalonnage de boîte, il est nécessaire pour avoir du couple et bien de redescendre très bas dans les rapports. Chose que vous ne faites pas sur Oval, si ce n'est pour rentrer eh bien au stand. Allez, on va conclure ce deuxième tour bientôt. Et voilà, et dans certains virages, vous allez vous retrouver bien plus rapidement que l'IA. Alors, on va essayer d'attaquer Gilles de Ferran. Et regardez ça, voilà. La différence est assez hallucinante. Alors, vous me direz, oui, on est au niveau 110, 115 de l'IA. Oui, c'est normal, elle te largue, t'es une merde. Je suis tout à fait d'accord, mais quand on est à un niveau qui est le niveau 95, voilà, ça doit pas être à ce niveau-là la différence, quoi. Donc, il y a un petit souci à ce niveau-là. Ça peut toujours être patché, hein. Petite attaque à la Tosa. Regardez, ça glisse. Mais à la relance, voilà, regardez, il est déjà sur nous, quoi. Alors, je sais pas si j'ai vraiment pris une mauvaise voiture. Faudra voir, peut-être, j'aurais peut-être dû prendre la Penske pour voir. Et voilà, vous voyez, ici, freinez un petit peu tard. Et une fois que vous freinez un petit peu tard, en fait... C'est un autre souci, voilà, qu'on va aborder, ce sont les freins. Alors les freins, il faut être très très prudent dans votre réglage de frein. Parce que dès que vous mettez un tout petit peu, un demi-degré de trop sur l'arrière, et bien vous partez, comme je viens de le faire ici. Parce que j'ai réglé ma répartition de freinage avec mon volant et ma molette. Donc il faut toujours avoir un œil sur la répartition de votre freinage. Pour ne pas vous faire avoir et finir et bien avec l'arrière de votre voiture qui veut passer avant l'avant, comme ça a été le cas ici. Donc je vais remettre de nouveau du frein à l'avant. Pour éviter ce genre de soucis. Ici en deuxième, voilà. Donc faut vraiment faire au feeling. Au niveau des accidents, c'est géré comme dans Air Factor. Vous allez avoir des casse moteurs en compression de temps, etc. Ça change pas grand chose. Regardez la sortie que vient de nous faire de la chicane. Dans la voiture de derrière. Et il est beaucoup plus rapide. C'est indéniable. Il est plus rapide en ligne droite. Mais sur les freinages, regardez derrière, dans le petit rétro. Oh là là, alors qu'il y a eu un accident à la Tosa. Il y a Bobby Rahal qui est parti. Tout droit, et au lieu de freiner, on l'a sûrement aidé à se mettre dans cette position. Au niveau des dégâts, c'est pas fabuleux. Vous perdez pas trop d'éléments, museau, suspension et roue. C'est tout ce que vous allez perdre. Pas de perte de ponton, pas de perte de rétroviseur. Voilà, c'est assez limité. Et de nouveau très tard sur les freins, mais là c'est parce que je ne regardais pas. Une fois que vous êtes un peu tard sur les freins, ça glisse. Donc les freins, justement, si vous ratez votre point de freinage, ça va être très difficile de freiner. Alors qu'on a terminé la course, me semble-t-il. Ça a été un peu rapide pour 4 tours. Nous sommes dans le tour de décélération et on va tout doucement aller regagner nos stands. Donc on a terminé 12e. C'est pas la performance du siècle, on a fait quelques fautes, on a été tard sur les freins. Mais on va maintenant passer à la partie ovale. Et on va se rendre sur le tracé de Fontana où je vous retrouve tout de suite grâce à la magie du montage. Allez, hop! Nous sommes à bord de la Penske. Et voilà, on se retrouve donc dans une version ovale, maintenant. Et vous allez voir, voilà, l'esthétique de la voiture a un petit peu changé au niveau de l'aérodynamisme. On est sur quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus sobre aussi. Donc voilà, vous avez un petit peu une vue différente de la voiture.
Je vais vous proposer quelques plans faits sur le circuit pour que vous voyez les différentes monoplaces. Un peu plus court que tout à l'heure et on se retrouve après pour le tour de qualif. Allez, maintenant qu'il y a un peu plus de voitures en piste, on va s'élancer pour le tour de qualif. Alors, il faut quand même changer de vitesse. Hein. On est en quatrième dans les deux virages. Enfin, pardon, dans le premier et le troisième virage. Vous passez ensuite en cinquième. Et si vous voulez, vous pouvez passer en sixième, mais vous arrivez ici en cinquième. Vous soulagez en quatre. Et vous repartez. Alors, on va voir au niveau du classement. Pour l'instant, on est 3ème, c'est pas mal. On est allé un peu sur l'extérieur. On va être gêné. On peut peut-être profiter de l'aspi. Ce sera pas notre meilleur tour. On tombe au 4ème rang. Vous voyez que les écarts sont très faibles, hein, comparé à tout à l'heure. Et voilà, donc vous pouvez... Il peut vous arriver ceci, c'est-à-dire être déventé par le pilote qui vous précède, et ça c'est génial, c'est-à-dire que vous pouvez eh bien tout simplement être trop en appui. Alors nous on va quitter la piste avant de se faire percuter, voilà. Vous pouvez en fait vous faire percuter tout simplement, si vous ne faites pas attention et que vous êtes en bagarre avec, avec d'autres pilotes, et ça c'est vraiment sympa. J'espère que les quelques plans vous auront plu, donc on voit vraiment une différence dans l'aérodynamisme des voitures. Et on va rentrer au stand pour la course maintenant. Voilà, on est parti directement, c'est drapeau vert, on roule à Fontana. Et vous allez voir que déjà, voilà, on prend un très très mauvais départ. C'est un classique, hein. On galère beaucoup, là on est à 3 de front. On galère beaucoup avec, avec ces départs automatiques dans Air Factor. Il faut passer par le tour de formation, sinon on est ralenti. Et là on déboîte de la gauche à Ribeiro, notre coéquipier chez Penske. Vous voyez que la voiture a facilement tendance à se déventer. Donc on doit tomber en 4 pour le premier et le troisième virage, hein, histoire de se relancer. Mais vous voyez qu'à la relance, eh bien, les voitures de l'IA sont plus rapides. Mais l'effet d'aspiration, le draft est tellement important que regardez, on arrive à passer. Ah non, on n'est pas passé. Attention qu'à l'intérieur, Fernandez se présente. On le touche! Et on doit ralentir, sinon c'est le mur. On s'en est pas mal sorti là. Devant Gigi Leto, ancien pilote Benetton en Formule 1. Et voyez, voilà, dans les virages, on doit ralentir. Et là, bon, je reste en cinquième. Je vois pas, j'ai pas de tendance à descendre en quatrième d'office pour garder le rythme. Mais à la relance, vous voyez que derrière, ça attaque. Ça se présente à gauche. Ça va aller très vite, hein, les 4 tours de cette course. Mais pour vous montrer, voilà, c'est le plus simple. Et il va se présenter à l'intérieur, Giletto, attention à ne pas être déventé non plus, parce que ça va très vite au moment où la voiture est partie, bonne chance pour aller la récupérer après, c'est quasiment impossible. Et là on monte un peu trop large sur l'ovale, on perd de la vitesse, vous voyez. J'espère qu'avec le draft en sortie de virage on pourra s'en sortir. Non, on est trop lent, et attention à Aral derrière, faut pas qu'il passe. Ouh, ça va être tendu. Et on doit être dans, je pense, déjà le dernier tour. J'ai pas compté.
Zanardi le plus rapide, forcément. Oh, il y a des museaux partout. Il y a un museau. Attention. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je perds de la puissance, c'est bizarre. Oh là là, il y a une voiture qui est arrêtée à l'intérieur avec un... Eh oui, je perds de la puissance, regardez, j'ai mon moteur qui fume. J'ai de la fumée, regardez. Mon moteur va casser, oh là, j'espère que je vais pouvoir aller au bout. Oh, ça va être tendu, cette histoire. Oh oui, ça va, c'est passé. Oh là là, on a eu chaud. Ah, j'avais plus du tout de puissance, il y avait un tour de plus, c'était fini. Donc voilà, bah écoutez, c'est un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce mode carte 98, le mode ainsi que les 4 circuits actuellement disponibles sont dans les... Oh là là, il y a des débris partout, c'est une catastrophe. Il y a dû y avoir un gros accident, pas eu de safety car. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce mode. Ah oui, il y a des voitures partout. Bah voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain mode à la mode. Salut les amis! Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne.